C'est à cet instant que Kurt, notre noble héros, s'approcha du spatioport en perdition. La tension était palpable. Était-ce la porte des enfers qui se dressait devant lui? Nul ne savait où il s'engouffrait. Mais ce dont il était certain, c'est que l'heure était à l'action. Tout comme le beurre est à la biscotte. T'es survivant? Non, je détecte aucune forme de vie intelligente. Ça fait du bien. Bon, on n'a pas le temps là. Almea, trouve-moi le générateur. Les mémoires du Lone Ranger de l'espace, chapitre 96, partie 2. Le sauveteur au grand cœur. Kurt franchit les portes de l'antre du démon. Un silence de mort se faisait entendre. Y avait-il encore des pèlerins à sauver? Chaque C'est minute bon. Était comptée. La sphère quantique est encore ici. Bien. Bon, allez, on se grouille avant que les flics débarquent. Mais il arriva hélas trop tard pour sauver ces pauvres innocents. Sauvagement mutilés par une horde de pillards, aux yeux injectés du sang de leurs victimes. Le cœur d'ange rédempteur descendit alors de son Olympe olympique pour les sauver. Cœur, cœur, aide-nous! Oh, viens nous sauver! Ah. Elle est pas loin. Son instabilité brûle mes capteurs. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Je peux tracer sa piste? Non, c'est bon, je gère. Si j'étais une sphère, en prenant en compte l'angle du sol par rapport à l'équilibre des corps dans l'espace, je roulerai. Par là! Kurt suivit la piste de son instinct. Il se devait c'est de bizarre. Retrouver ses traîtres. On dirait que la sphère se déplace. Ouais, elle roule, quoi. Bon, maintenant t'arrêtes de me parler, je peux pas me concentrer. Le Lone Ranger de l'espace se retrouva nez à nez avec son destin. Une bête titanesque tout droit sortie des enfers. Son héroïsme légendaire le... Je détecte un danger potentiel. Allez, lâche la baballe. Oh, mais casse-toi! Mais t'es fait en quoi, bordel? Après un corps à corps sauvage, le Lone Ranger laissa derrière lui les restes encore fumants de la chose. Sans rancune, hein? Thank you.
Mais c'est quoi, Smerdier? T'as vu ce que t'as fait? Dohan, mais pousse-toi! Une occasion pareille, putain. C'est pas une énième coquille vide qui va prendre les gens. Encore une mission de merde, je fais tout le boulot, et voilà comment je suis là. Les mémoires d'une affranchie de l'espace. Chapitre 1, partie 1. Un nouveau départ. Monsieur, que s'est-il passé sur Asimov? C'était affreux. Je suis venu au plus vite pour sauver les victimes, mais c'était déjà trop tard. Tout ce sang, toute cette injustice. Vous êtes le seul survivant. Vous secourir les victimes. Vous êtes toujours célibataire? Eh bien oui. Oui, j'ai voulu affronter ces barbares. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Je vous avais dit pas de flash. Monsieur, il va bien, votre chien est tout bizarre. Plus cher.